Premier, c'est debout quand on a capacité de faire un namaz debout. Dans un namaz obligatoire, tu es capable de debout pour faire un namaz là. Tu as les pieds et un problème de genou. Tu n'es pas capable de faire recours, tu n'es pas capable de faire sisda. Tu es capable de debout droit. Tu debout, tu fais ton takbir, tu fais ton namaz. Quand tu as le recours, là, tu mets ton pied droit, tu es assisé. Là, tu fais ton pied droit, tu es assisé. Wa qumu lillahi qanitin. Tu as besoin de debout devant Allah. Tu as debout toi. Roku sisda. Tu as la tête cassée là devant là. Il met bandage. Sisda, tu n'as pas qu'à faire, tu poses la tête en bas. Mais c'est maintenant que tu es capable de debout. Oui. Parce que tu vas rentrer dans le masjid de l'ossivier toi. Mais que tu vas debout devant Allah. Première condition, c'est debout. Et ça même pour un cas là, qui fait nous dire, parce qu'il y a un grand monde, parfois on a tendance, ah, il y a un état fatigué, il y a un risque de faire un seul coup d'assise, il fait la masse. Ah, mais l'élève, tu es capable de faire 40 à 40, oui, parce que tu es à l'aise. C'est moi, Tarawi, le sunna. Nous disons, mais Tarawi, le sunna. Donc, un sunna, un dimoun qui est capable de faire des bouts, il fait l'assise, il gagne la moitié récompense. Un sunna qui est un dimoun qui est capable de debout, lui fait lui assiser, il gagne la moitié récompense. Une obligation qui est un dimoun qui est capable de faire lui debout, il assiser, il va gagner. Premier pilier, c'est debout devant Allah.